Au XVIIe siècle, en France, le roi Louis XIV craint que son frère ne lui vole le trône et le condamne à un terrible sort. Il demande à ce qu'on lui enserre le visage dans un masque de fer. S'il l'enlevait, il risquait d'être assassiné. Mais des historiens doutent de la véracité de cette histoire célèbre. Pendant plusieurs siècles, le mystère a plané sur la véritable identité de ce prisonnier. Pour en savoir plus, nous allons explorer les donjons obscurs de la France du XVIIe siècle et analyser les documents d'époque dans l'espoir de découvrir la vérité. Rouvrons l'histoire classée de l'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer est une créature fantomatique qui hante l'histoire française. Si l'on en croit les historiens qui ont étudié la question, deux personnes connaissent la clé de son mystère. Après avoir longuement analysé la vie de ces deux hommes, des spécialistes affirment être en mesure de faire la lumière sur cette affaire. L'un est son geôlier, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Le second est un grand auteur français, Voltaire. Il est le premier à avoir conté cette histoire dans un livre. Roger Pearson est historien et spécialiste de la littérature classique française. Très tôt, Voltaire a commencé à critiquer l'ordre établi. Il était en quelque sorte le porte-parole de ceux qui s'y opposaient. Il avait des idéaux politiques pour lesquels il a œuvré toute sa vie. Son but était de faire tomber la dynastie des Bourbons et d'amener à la création d'une constitution. À 23 ans, Voltaire devient une victime du système politique, ce qui ne fait que renforcer son aversion pour l'ordre établi. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'instrument d'oppression classique était la lettre de cachet, signée par le roi et contresignée par un responsable politique. Cette lettre suffisait à justifier l'arrestation de n'importe qui. La lettre de cachet a été créée au XIIIe siècle. 400 ans plus tard, Louis XIV, roi de France, sait précisément comment utiliser cette méthode à son avantage. Ceux qui tombent en disgrâce peuvent ainsi être condamnés à recevoir des coups ou à passer le reste de leurs jours en prison. Julian Swann est historien et spécialiste du système judiciaire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant le règne de Louis XIV, le système pénal fonctionnait très bien. Mais comme dans de nombreux régimes, y compris les plus modernes, l'État a toujours le moyen d'agir dans son intérêt. Certaines personnes étaient emprisonnées sans avoir été jugées de manière équitable et sans même connaître le motif de leur arrestation. Le crime de Voltaire est d'avoir écrit des poèmes satiriques sur Philippe d'Orléans, le régent. Voltaire était allé trop loin. On lui a remis une lettre de cachet et il a été emprisonné à la Bastille en 1717. C'était la première fois qu'il vivait une telle injustice. Lorsque les portes de sa geôle se sont refermées, Voltaire méditait certainement sur la cruauté du roi Louis XIV. 40 ans plus tôt, un scandale a donné lieu à une vague d'arrestations. L'affaire des poisons est l'une des plus retentissantes du XVIIe siècle. Tout a commencé avec le procès de la marquise de Brinvilliers, une femme issue de la haute société. Avec la complicité de son amant, elle a empoisonné son père, qui n'acceptait pas leur relation, ainsi que ses deux frères. La population est prise de panique lorsque d'autres membres de la classe dirigeante sont impliqués dans des affaires d'empoisonnement. La rumeur court
que le roi lui-même serait menacé. La chasse aux sorcières démarre. De nombreuses personnes ont été incarcérées et exécutées. Au cours de l'enquête, plus de 100 personnes ont été arrêtées et au moins 30 exécutées. Les autres puissances européennes, constatant le mauvais traitement des prisonniers, commencent à s'alarmer. La France met un terme à l'enquête. Quand l'enquête de l'affaire des poisons a pris fin, le gouvernement s'est trouvé dans une position délicate. Il ne pouvait pas relâcher 65 prisonniers qui en savaient beaucoup trop sur les événements. Le roi les condamne à l'enfermement dans différentes forteresses du territoire. Le marquis de Louvois, secrétaire d'État à la guerre de Louis XIV, donne l'ordre de dépouiller les prisonniers de leur identité. Les gardiens eux-mêmes ne connaissent pas leur véritable nom. Ils étaient enchaînés au mur des donjons, complètement abandonnés. Certains ne sont morts que 40 ans après. Voltaire échappe à ce terrible sort. Il passe moins d'un an à la Bastille. Mais cette expérience le marque profondément. Les 11 mois qu'il a passés derrière les barreaux l'ont bouleversé. Il n'était plus le même après. Voltaire a l'impression d'avoir été victime d'une injustice. Bien sûr, il avait eu le tort de critiquer le régent dans ses écrits. Mais après tout, il ne faisait qu'exprimer une opinion largement répandue. Bien qu'il n'ait rien fait de plus, il n'a pas été traité comme les autres. Et on ne lui a pas laissé la chance de se défendre. Voltaire est bien décidé à faire tomber le régime. 30 ans plus tard, il relate une histoire qui demeurera un mystère durant de longues années. En 1751, il publie une réflexion sur le règne du roi Soleil, intitulée « Le siècle de Louis XIV ». Cet ouvrage est le premier à faire mention d'un prisonnier masqué. Ce prisonnier portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier, qui lui laissait la liberté de manger avec le masque sur son visage. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait. Voltaire décrit le calvaire de l'homme en détail. Il explique notamment que son visage est resté masqué pendant 40 ans, alors qu'il était régulièrement transféré d'une prison à une autre. On envoya dans le plus grand secret au château de l'île Sainte-Marguerite un prisonnier inconnu. Voltaire raconte que le prisonnier est escorté par un officier qui a ordre de ne pas révéler son identité. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. L'autre homme qui pourrait mener les historiens vers la clé du mystère. Saint-Mars était un geôlier respecté. De nombreux ouvrages font référence à sa carrière. Il avait pour mission de garder les prisonniers à risque et de les transférer d'une prison à l'autre. Robin Briggs est historien spécialiste de la France du XVIIe siècle. Il s'est intéressé à l'homme au masque de fer, ainsi qu'à celui qui le surveillait. Au départ, Saint-Mars était mousquetaire. En 1664, D'Artagnan a recommandé qu'on le charge de garder le ministre des Finances, tombé en disgrâce lors de son transfert vers la forteresse de Pignerol, dans les Alpes. Aujourd'hui, la ville fait partie du territoire italien. Elle porte le nom de Pinerolo. Aucun vestige du bâtiment ne subsiste. Mais au XVIIe siècle, cette prison est-elle une des plus dures et des plus isolées de France? Pignerol est une ville fortifiée située au pied des Alpes. Un château y a été construit. Il comporte plusieurs tours, dont quelques-unes peuvent accueillir des prisonniers. La correspondance entre Saint-Mars et son responsable, le marquis de Louvois, a été retrouvée. Louvois, qui dirige les forteresses, lance la carrière de Saint-Mars, qu'il considère comme une personne de confiance. Les échanges ont commencé quand Saint-Mars est arrivé à Pignerol et ont pris fin en 1691 à la mort de Louvois. À cette période, les prisonniers sont incarcérés dans différentes geôles.
De 1681 à 1687, Saint-Mars supervise une autre prison en altitude à Exil. Pour rejoindre Exil depuis Pignerol, il faut parcourir 40 km. Ce trajet en montagne a dû être très éprouvant. La forteresse d'Exil surplombe la campagne environnante. Aujourd'hui, elle abrite un musée. Le bâtiment est aussi terrifiant qu'autrefois. Cette région est assez désolée. Saint-Mars ne savait pas s'il serait promu un jour, s'il quitterait la forteresse. Les prisonniers, eux, devaient être persuadés qu'ils y finiraient leur jour. Tous ces hommes étaient certainement assez désespérés. Dans une lettre envoyée à Saint-Mars, le 2 mars 1682, Louvois donne l'ordre de ne pas divulguer l'identité des malheureux prisonniers. Le gouvernement a mis en place une politique de terreur en maintenant ces hommes dans l'obscurité la plus totale. Comme il est important que les prisonniers qui sont à Exil, que l'on nommait à Pignerol de la Tour d'en Bas, n'aient aucun commerce, le roi m'a ordonné de vous commander de les faire garder si sévèrement et de prendre de telles précautions que vous puissiez répondre à Sa Majesté qu'ils ne parleront à qui que ce soit, non seulement de dehors, mais même de la garnison d'Exil. Les historiens ont découvert qu'à Exil, Saint-Mars ne surveillait que 2 prisonniers qui avaient été transférés de Pignerol. Nous savons que l'un des deux est mort à Exil. Quant à l'autre, il a été emmené sur l'île de Sainte-Marguerite par Saint-Mars. Il est le seul à avoir survécu. L'île de Sainte-Marguerite se situe en Méditerranée, face à la ville de Cannes. Le prisonnier est retenu au fort qui domine la petite île. De nos jours, la garnison est un lieu de tourisme. Nombreux sont les bateaux de croisière qui passent dans cette zone. Il est possible de visiter la cellule dans laquelle le détenu a vécu 11 années. Mais le calvaire du prisonnier mystérieux ne s'est pas arrêté là. Il doit être transféré à la Bastille, à Paris. Selon Voltaire, c'est Saint-Mars qui l'y aurait accompagné. Il est nommé gouverneur de la Bastille en 1698, au moment où l'homme au masque de fer y est emprisonné. C'est Saint-Mars qui l'a accompagné depuis Sainte-Marguerite. Dans la correspondance entre Saint-Mars et Louvois, il n'est jamais fait mention du dit masque. Cela semble contredire l'histoire de Voltaire. Pourtant, une étude approfondie des registres de la Bastille a permis de retrouver un document attestant la version de l'écrivain. Lors de la prise de la Bastille en 1789, le bâtiment a été détruit. Aujourd'hui, il ne subsiste de cette forteresse que quelques pierres retrouvées après la Révolution. Bien que l'édifice ait disparu, ses registres ont été conservés. La bibliothèque de l'Arsenal fait partie de la Bibliothèque nationale de France. Elle abrite de nombreux documents relatant le passé trouble de la Bastille, et notamment le journal d'un des gardiens. Étienne du Junca était un lieutenant de la Bastille qui était chargé de surveiller les détenus. Il est présent lorsque Saint-Mars arrive de Sainte-Marguerite avec le prisonnier. Du Junca consigne dans son journal tous les événements qui rythment la vie de la Bastille. Il garde une trace de ce qui se passe dans la prison. Il sait qui sont les détenus et connaît le motif de leur arrestation ainsi que leur date de sortie. De tous ceux qui ont vu le prisonnier masqué, il est le premier à l'évoquer par écrit. À la date du jeudi 18 septembre, 3h de l'après-midi, Monsieur de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée. Venant de l'île Sainte-Marguerite, ayant amené avec lui dans sa litière
un prisonnier qu'il avait à Pignerolles, dont le nom ne se dit pas, lequel on fait toujours tenir masqué. Voilà donc une preuve irréfutable que le prisonnier sans nom était masqué et qu'il a suivi Saint-Mars pendant une grande partie de sa carrière en prison. L'histoire de cet homme a captivé et terrifié les lecteurs de Voltaire. Grâce à la science, cette histoire peut aujourd'hui être mise à l'épreuve. Les résultats sont surprenants. Mike Edwards, spécialiste de la chirurgie musculo-squelettique, présente les conséquences qu'aurait le port d'un masque de fer durant plusieurs dizaines d'années. L'histoire veut que le prisonnier ait eu la tête enserrée dans un masque de fer pendant 30 ans. A-t-il pu survivre dans ces conditions? D'après moi, non. À l'aide de l'imagerie par ordinateur, Mike Edwards nous montre les transformations que son crâne aurait subies. Pour comprendre ce qui se passe sous le masque, il est préférable de l'enlever. Sous cette couche de métal, l'atmosphère est chaude, humide et grasse. C'est terrible pour la personne, mais idéal pour les champignons et les bactéries. Si la peau comporte des lésions, ces microbes peuvent entrer dans le système sanguin. Les bactéries sont peu dangereuses quand elles restent à la surface, mais si elles pénètrent dans l'organisme, les ennuis commencent. Les blessures sont fréquentes puisque la peau frotte en permanence contre le masque. Quand les bactéries entrent dans le sang, elles se multiplient. Très vite, on court le risque de développer une infection grave, la septicémie. Les bactéries entraînent une réaction en chaîne. Les uns après les autres, les organes cessent de fonctionner à mesure que le cerveau mobilise le flux sanguin. La peau est le premier organe touché, puis ce sont les reins et le foie, les poumons et enfin le cœur. Lorsqu'il est atteint, c'est fini. Julian Swan est au château de Loches, dans la vallée de la Loire, pour en savoir plus sur les conditions de détention des prisonniers au XVIIe siècle. C'était une des grandes prisons d'État. Le roi l'utilisait déjà comme telle au Moyen-Âge. Du temps de Louis XIV, elle était semblable aux autres grandes prisons du pays. Bien souvent, les prisonniers sont torturés. Différents instruments de torture étaient régulièrement utilisés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'une des méthodes les plus célèbres est la torture par l'eau. Les bras du prisonnier étaient attachés et passés au-dessus de sa tête. Ses pieds étaient attachés à un objet solide. Ensuite, on étendait le corps du prisonnier sur une planche. Et on lui plaçait un tissu sur la tête. On lui faisait mordre une corne de vache. Enfin, on versait de l'eau dans la corne, parfois jusqu'à 16 litres d'un coup. Le détenu souffrait terriblement et avait l'impression de se noyer. Quelques instruments de torture subsistent au château. À Loches, les prisonniers ordinaires étaient enchaînés au mur. On leur attachait ces colliers. On peut imaginer ce qu'ils enduraient. Ce devait être très difficile de trouver une position confortable, ou même de s'allonger. Cette situation pouvait durer plusieurs années. Bien que des vestiges de ces pratiques soient encore visibles au château, rien n'indique qu'un prisonnier ait dû porter un masque de fer. Pourtant, Duyunka et Voltaire affirment tous les deux que ces événements se sont bien produits. En novembre 1703, Duyunka évoque la mort du prisonnier masqué. À la date du lundi 19 novembre 1703, le prisonnier inconnu que M. de Saint-Mars avait amené avec lui des îles Sainte-Marguerite est mort aujourd'hui, sur les 10 heures du soir. Le lieutenant donne une précision importante. Il était toujours masqué
d'un masque de velours noir. L'examen médical a prouvé qu'il est impossible de survivre en portant un masque de fer plusieurs années. Peut-être que ce fameux masque n'a jamais existé. Ce n'est pas la première fois qu'il est fait mention de prisonniers masqués. Je crois que l'histoire de l'homme au masque de fer est dérivée d'un événement simple qui a été amplifié et exagéré avec le temps. Ce prisonnier, considéré comme un criminel d'État pour des raisons obscures, est certainement resté enfermé de nombreuses années. Il a été piégé par le système. Les autorités, soucieuses de garder l'identité des détenus secrètes, ont fait en sorte qu'ils soient toujours masqués en public. Le prisonnier de Saint-Mars est peut-être simplement une des nombreuses victimes du système judiciaire français. D'autres détenus étaient masqués. Un prisonnier d'État n'existe plus. Il est totalement banni de la société. Plus personne ne sait qui ni où il est. Il est en prison, un point c'est tout. Le fait qu'il ait porté un masque indique qu'il était sûrement d'un rang social élevé. Mais sa peine était somme toute commune. Pour savoir comment une pratique courante a donné naissance à cette légende, il faut s'intéresser aux écrits de Voltaire, l'homme qui a voulu mettre fin au règne tyrannique de Louis XIV. Comme ses œuvres ont provoqué la colère des autorités, il prend des risques en restant en France. Il s'est installé tout près de la frontière suisse, à quelques kilomètres de Genève. Il a acheté une forteresse en ruine qu'il a fait entièrement rénover. Il s'agit du château de Ferney. C'était l'emplacement idéal pour lui. Il restait en France. Les Genevois le laissaient en paix. Et s'il devait fuir la police, il pouvait facilement se rendre à Genève, où il serait en sécurité. Voltaire demeure dans ce château jusqu'à l'année de sa mort. Dans ce lieu sûr, il peut reprendre son travail de critique du pouvoir. Au château de Ferney, il a pu exprimer les idées qu'il avait toujours gardées pour lui. Dans ce sanctuaire, il commence à enjoliver l'histoire du prisonnier. Dans un ouvrage intitulé « Questions sur l'encyclopédie », il affirme que l'homme au masque de fer n'était autre que le frère de Louis XIV. En formulant cette accusation, il cherche à discréditer le roi et la dynastie des Bourbons. Pour les spécialistes, l'histoire de Voltaire n'est pas vraiment crédible. Il semble impossible que l'homme au masque ait été le frère de Louis XIV. Au XVIIe siècle, en France, la naissance d'un enfant du roi était un événement public. La reine a un cercle proche composé d'une dizaine de personnes. Même après avoir mis un bébé au monde, elle aurait été très entourée. Par conséquent, si elle avait eu un deuxième enfant, les gens l'auraient su. La parenté royale du prisonnier mystérieux aurait donc été inventée de toutes pièces par Voltaire. S'il a proféré ces accusations infondées, c'est dans un but bien précis. Il aurait imaginé cette histoire fictive pour mettre en cause la légitimité des Bourbons. Il a donc volontairement alimenté le mythe de l'homme au masque de fer pour attirer l'attention du public sur les pratiques cruelles du roi. Le prisonnier masqué est un symbole fort de la brutalité du système. Un symbole qui peut gravement nuire au roi. Conscient de cela, Voltaire sait aussi que l'histoire va captiver ses lecteurs. Après 25 ans d'exil, Voltaire revient à Paris en février 1778.
il est accueilli en héros. D'après les historiens, la propagande de Voltaire attise le mécontentement des Français vis-à-vis de leurs dirigeants despotiques. Bien qu'il soit mort avant le début de la Révolution, il y a certainement contribué. En un sens, Voltaire est celui qui a commencé à détruire la Bastille, puisque c'était un symbole de l'oppression. Et ensuite, ce sont les révolutionnaires qui ont démoli l'édifice. Les Bourbons perdent le trône. La monarchie laisse place à la République. Avec le soulèvement populaire, la pratique tyrannique de la lettre de cachet disparaît pour toujours. Au XVIIe siècle, en France, le roi Louis XIV craint que son frère ne lui vole le trône et le condamne à un terrible sort. Il demande à ce qu'on lui enserre le visage dans un masque de fer. S'il l'enlevait, il risquait d'être assassiné. Mais des historiens doutent de la véracité de cette histoire célèbre. Pendant plusieurs siècles, le mystère a plané sur la véritable identité de ce prisonnier. Ordre établi. Il était en quelque sorte le porte-parole de ceux qui s'y opposaient. Il avait des idéaux politiques pour lesquels il a œuvré toute sa vie. Son but était de faire tomber la dynastie des Bourbons et d'amener à la création d'une constitution. À 23 ans, Voltaire devient une victime du système politique, ce qui ne fait que renforcer son aversion pour l'ordre établi. L'homme au masque de fer est une créature fantomatique qui hante l'histoire française. Si l'on en croit les historiens qui ont étudié la question, deux personnes connaissent la clé de son mystère. Après avoir longuement analysé la vie de ces deux hommes, des spécialistes affirment être en mesure de faire la lumière sur cette affaire. L'un est son geôlier, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Le second est un grand auteur français, Voltaire. Il est le premier à avoir conté cette histoire dans un livre. Roger Pearson est historien et spécialiste de la littérature classique française. Très tôt, Voltaire a commencé à critiquer l'ordre. Pour en savoir plus, nous allons explorer les donjons obscurs de la France du XVIIe siècle et analyser les documents d'époque dans l'espoir de découvrir la vérité. Rouvrons l'histoire classée de l'homme au masque de fer.